Régner le Dieu de gloire. Alléluia. Il nous régnera au siècle des siècles. Il régnera à jamais. Régnera à jamais. Régnera au siècle de siècle. Il régnera. Fais-le avec moi. À jamais régnera, à jamais régnera, oh. Le roi des rois. Jésus. Alléluia. Jésus, qui est comparable à toi, Emmanuel, tu régneras, Seigneur, dans ma vie. Personne n'est comparable à toi, le sang de Saint Jésus. Nous te lèvons, Seigneur, de tout cœur, car tu règnes, Jésus. Viens régner dans ma vie, Seigneur. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens régner, Yahweh. Viens régner, c'est mon Jésus. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Jésus. Oh, Yahweh. Notre espoir. Notre espoir, c'est le Dieu Tout-Puissant. Son amour. Plus grand que tout, il est grand, les dieux des cieux, donnons-lui tout l'honneur. Nos regards, si Yahweh, à jamais, à jamais. Yahweh, nos regards sur toi, Yahweh, oh oui, à jamais, Yahweh, nos regards sur toi, Yahweh, à jamais, à jamais. Yahweh, il régnera,
J'aimerais que l'assemblée seule les fasse. À jamais. L'assemblée seule. Yahweh. Notre espoir, c'est toi. Notre espoir. À jamais. Yahweh. Alpha, c'est toi. Alpha. Yahweh. Yahweh. À jamais. Yahweh. Ensemble. Emmanuel, c'est toi. Emmanuel, c'est Yahweh. Yahweh. À jamais. À jamais. Yahweh. Yahweh. Oh, oh, oh. Emmanuel, c'est toi. Emmanuel, c'est Yahweh. Acclamer ces grands rois qui vivent jamais. Roi des rois. Merci. Merci pour ta gloire, Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout? Est-ce que nous tous, s'il vous plaît, tenez-vous debout, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout? Tiens-toi debout, s'il te plaît, tiens-toi debout. J'aimerais que nous puissions bien acclamer. Avant que nous puissions bien acclamer, écoute ceci. J'ai vu quelqu'un connaître un accident. Ses mains ici étaient écrasées. Ses mains écrasées. Peut-être écrasées, ça ne sonne pas bien en français. Hein? On l'amène à l'hôpital, on décide qu'il faut l'amputer. Il faut bakate mikono. On a coupé ses mains, il est resté avec ça, les bras. Mais toi, tu as toutes tes mains. Tu as toutes tes mains, tu as tous tes bras. Est-ce que tu peux offrir une offrande d'adoration avec les acclamations? Est-ce que tu peux bien acclamer pour ce Dieu bouchon? Est-ce que tu peux bien acclamer pendant que tu gardes tes mains? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Thank you.
Jésus, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Nous serons bénis par l'évangéliste Valentin. Pendant qu'il avance, nous l'encourageons, nous l'ovationnons. Acclame bien pour le Seigneur, acclame bien pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu peux t'incliner encore en prière pour dire à Dieu de te parler ce matin. Parce que la Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, il peut te guérir aujourd'hui. S'il a visité hier, il peut te visiter aujourd'hui. S'il a élevé hier, il peut te lever aujourd'hui. S'il a béni hier, il peut te bénir aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin pour ce moment que tu nous donnes. Père, nous voulons que tu puisses nous parler. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Je reconnais mes faiblesses. Je voudrais, Père, que ce matin, que tu te serves, ô Dieu, de mes faiblesses. Pour bénir une personne. Quelqu'un a dit qu'un instrument ne peut donner un bon son que s'il se laisse manipuler par celui qui l'utilise. Cher Saint-Esprit, ce matin, j'ai encore besoin de toi. Ce matin, prends possession de toutes choses. Ce matin, glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons ce moment. Nous te soumettons toutes choses. Règne au nom de Jésus. Que tous les autres esprits qui ne confessent pas le nom de notre Seigneur Jésus se taisent au nom de Jésus-Christ. Je demande, Père, que tu déverses en ces lieux l'onction, que l'onction se manifeste du début jusqu'à la fin. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Je disais que Dieu nous bénisse. Inasema Mungu atubariki. Bien avant toute chose, bado ya mambo zozote, j'aimerais souhaiter à quelqu'un ce matin napenda nipendele mutu moya asubuhi ya leo, mes meilleurs vœux. Mes vœux de bonheur. Mes vœux de paix. Mes vœux de visitation. Mes vœux d'accélération. Mes vœux d'élévation. Mes vœux de promotion. Mes vœux de stabilité. Mes vœux de grandes choses. Et enfin, mes vœux de mariage. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire notre lecture? Tunaweza kusimama na kufanya usomi. Nous sommes dans Psaume chapitre 121. Tuko mu Zaburi 121. Le verset 8. Psaume 121, le verset 8. Nous lisons Psaume 121, le verset 8, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole du Seigneur? Nous disons merci à notre Dieu pour les privilèges qu'il nous a accordés ce matin de nous tenir au devant de ce peuple précieux et merveilleux que vous êtes. Je dis également merci au couple pastoral. Bien que tant absent, nous croyons que spirituellement on est ensemble. Même vous qui êtes là, nous vous disons sincèrement merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, ce matin, le thème qui nous a été donné par notre Père, la Bible déclare: l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. L'Éternel gardera ton départ de maintenant et éternellement. Bien-aimés, c'est le thème qui va nous accompagner jusqu'au 31 décembre. C'est le thème qui va nous accompagner jusqu'au 31 décembre. Et pour ceux-là qui ne le savent pas, je vous informe que ça, c'est le thème de notre année. Vraiment, c'est une promesse merveilleuse. C'est un message de réconfort. La Bible déclare: l'Éternel gardera ton départ. Bien aimé, la version que nous avons lue, c'est la version Louis II. Mais il y a quelque chose que Louis II n'en parle pas. Si nous lisons dans la version vivante, il y a un ajout très important que j'ai beaucoup aimé. Dans cette version, on dit: l'Éternel va veiller sur toi. Ou l'Éternel veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour. Depuis ton départ jusqu'à ton retour. Depuis ton départ jusqu'à ton retour. Quelle promesse merveilleuse. Quel message de réconfort. C'est-à-dire que l'Éternel ne verra pas seulement sur notre arrivée, mais l'Éternel va également veiller sur notre retour. Et c'est ce qui est très important dans ce passage, c'est le temps qui est conjugué dedans. La Bible déclare que l'Éternel gardera. Ça, c'est le temps futur. Et ce temps veut tout simplement dire que la protection de Dieu sur notre vie, ce n'est pas une protection temporelle. Protection de Dieu sur notre vie, c'est une protection qui est continuelle. Si hier Dieu nous a gardés, cela veut dire que aujourd'hui,
Il va également nous garder. Dieu nous a gardés aujourd'hui. Même demain, le Seigneur va nous garder. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Parce que c'est lui qui te garde. Ne sommeille ni ne dors. Un homme peut dormir. Mais Dieu ne dort jamais. Un homme peut faillir. Mais Dieu ne faillit jamais. Un homme peut se fatiguer. Mais Dieu ne se fatigue jamais. Donc, il est très important d'avoir pour pilier. D'avoir pour appui l'éternel des armées. Si vous remontez un peu au premier verset, la Bible est en train de dire que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'éternel. Dans tous ces chapitres, à deux choses importantes. La première des choses, on nous parle du secours de Dieu. Bien-aimé, le secours de Dieu, c'est le véritable secours. Le secours de Dieu, c'est le véritable secours. Parce que le secours de l'homme, c'est un secours limité. Le secours de l'homme, c'est un secours impuissant. Le secours de l'homme, c'est un secours qui arrive toujours en retard. Le véritable secours que toi et moi avons besoin ce matin, c'est le secours de l'éternel. C'est le secours de l'éternel. Ton secours ne viendra pas d'ailleurs. Ton secours ne viendra pas de la MONUSCO. Ton secours ne viendra pas de ce gouvernement. Ton secours ne viendra pas de tes compétences. Mais ton secours viendra de l'éternel. Ton secours viendra du roi des rois. Ton secours viendra de celui qui a le monde visible et le monde invisible dans sa main. Ton secours viendra de celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ton secours viendra de celui qui est capable de frayer un chemin même dans le désert. Ton secours viendra de celui qui est capable d'élever un homme, d'élever un homme sans que son père, sans que sa mère, sans que ses oncles ne puissent intervenir. Je prie ce matin que le secours de l'éternel soit ton partage. Je prie ce matin que le secours de l'éternel soit ton partage. Dieu est le véritable secours. Lui ne vient jamais en retard. Lui ne vient jamais en retard. Lui ne vient jamais en retard. Lui, quand il vient, il arrive toujours au bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Le secours de l'éternel. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà du temps, au-delà du temps,
au-delà du temps. Je reviens encore une fois. Je vous ai dit que tous les chapitres ont deux choses. Je parlais du secours. Et dans le verset 8, nous voyons la protection de Dieu. Ce chapitre du début à la fin ne parle que de deux choses. Le secours et la protection. Pendant que je préparais le message, j'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire pour savoir la signification du mot garder. Et Larousse m'a dit que garder signifie tout simplement préserver de tout danger. Préserver de tout danger. Préserver de tout danger. Par là, je suis en train de comprendre que cette année, du début jusqu'à la fin, Dieu va nous préserver de tout danger. Dieu va te préserver de tout danger. Dieu va préserver tes enfants de tout danger. Dieu va préserver ton mari de tout danger. Dieu va préserver tes activités de tout danger. Dieu va te préserver de la maladie. Dieu va te préserver des accidents. Dieu va te préserver de la mort. Dieu va te préserver de tout ce qui ne rend pas gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même du poison, Dieu va te préserver. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui a tué les autres, qui tuera les autres cette année, ne te tuera pas. Ne te tuera pas. Ne te tuera pas. Ne te tuera pas. Tout celui qui va jeter un mauvais sort sur toi, lui seul va vivre les conséquences de ce mauvais sort. De ce mauvais sort. Parce que la parole déclare, celui qui creuse à une fosse, il tombera lui-même. Tous les ennemis, cette année, il va tomber dans leur propre piège. Dans leur propre piège. Dans leur propre piège. La parole de Dieu déclare que mille tombent à ton côté, mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que l'on va faire contre ta vie sera nul et sans effet, parce que c'est l'Éternel qui va te garder dès à présent jusqu'éternellement. Dieu va te garder. Dieu va te garder. Dieu va te garder. Peu importe leur complot. Peu importe leur complot. Dieu te gardera. Peu importe leur stratégie. Dieu va te garder. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aime la parole de Dieu. La Bible est en train de me dire. La Bible est en train de me dire que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Tes ennemis cette année, tes ennemis cette année n'auront qu'une seule adresse. Tes ennemis cette année n'auront qu'une seule adresse. L'adresse de tes ennemis s'appelle désormais sous tes pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un amen. Si tu crois, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tes ennemis n'auront qu'une seule adresse. À partir de ce moment jusqu'à la fin de l'année, une seule adresse.
sous tes pieds, la maladie sous tes pieds, la pauvreté sous tes pieds, le sécheresse sous tes pieds, toutes les mauvaises choses sous tes pieds. Je pensais que je parlais à un peuple prophétique ce matin. Je ne suis pas comme ton voisin. Ça, je dis sous tes pieds, essaie de faire un mouvement prophétique. Je disais que cette année, tes ennemis, une seule adresse, une seule adresse. Wapi, 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 wapi. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Bien-aimé personne, bien-aimé que personne ne puisse t'intimider. Personne ne puisse t'intimider. C'est Dieu, le Dieu que nous servons. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu tout puissant. Aucun ennemi n'aura le pouvoir. Sur toi, cette année, pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui va te garder dès à présent et à toujours. 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 Bien-aimé, quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse promesse! Quand vous lisez ce thème, quand vous étudiez ce texte, quand vous étudiez ce passage, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Peut aussi dire que peu importe ce que tu vas rencontrer en chemin, ce que tu vas rencontrer en chemin, ta destination est certaine. Ta destination est certaine. Ta destination est certaine. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tempête, qu'il y ait accident, qu'il y ait crash, ta destination est certaine. Tu arriveras à ta destination. Tu arriveras à ta destination. Peu importe le véhicule, peu importe le moyen de transport que tu vas emprunter, ta destination est certaine. Est certaine. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même sur les Wewa, tu arriveras. Amen. 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 Même sur les Wewa. Ata una panda moto. Même sur les Wewa. Ata una panda pa moto ya Wewa. C'est Dieu. Oui, Mungu. Qui garde. Eko la tulinda. Qui te garde. Eko la kulinda. Tu arriveras. Utafika. Tu arriveras. Utafika. D'ailleurs, je prophétise. Basi mina tabiri. Que ta présence sur la moto. Wepo wako pale pa moto. Va protéger même les motards. Itachunga na Wewa mwenyewe. Ta présence sur la moto, uwepo wako pa moto va protéger même les motards. Itamchunga na wewa. Ne crains rien. Usiongope. Cette année, hii mwaka, c'est une année de voyage. Ni mwaka ya kusafiri. C'est une année de déplacement. Ni mwaka ya kusafiri. Nous allons nous déplacer. Tutasafiri. Nous allons voyager. Tutasafiri. Nous allons voyager. Tutasafiri. Si tu n'as pas de passeport, kama una na passeport, commence à chercher le passeport. Waze kutafuta passeport. Commence à chercher le passeport. Waze kutafuta. Parce que je ne sais pas quand est-ce que tu vas voyager, quand est-ce que tu vas quitter ce pays. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis encore, cette année, par rapport à ce thème, nous allons voyager. Nous allons voyager. Nous irons loin. Même aux États-Unis, c'est possible. Même en Europe, c'est possible. Même aux
Anasé, c'est possible. J'ai dit à quelqu'un, commence à te préparer. Commence à te préparer. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. La Bible déclare, ne pensez pas aux événements passés. Ne pensez pas à ce que 2022 a produit dans ta vie. Cette année, c'est une année de nouvelles choses. Des nouvelles choses, des nouvelles choses. Pendant que tu dis amen, que les nouvelles choses soient ton partage, soit ton partage. Que Dieu te donne une nouvelle promotion, que Dieu te donne une nouvelle parcelle, que Dieu te donne des nouvelles opportunités. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu vas voyager. Où t'as safiri? Tu vas voyager. Où t'as safiri? Nous avons déjà l'assurance. Tu connais Wakika. Nous avons déjà l'assurance. Tu connais Wak. On aura peur de quoi? Tu vas voir la Demande d'abord à ton voisin. Tirani. Tu as déjà l'assurance. Où connais Wakika? Tu auras peur de quoi? Tu auras peur de quoi? Si ton voisin n'est pas comme toi, tu peux parler même à celui de derrière. Dis-lui, nous avons déjà l'assurance. Nous avons déjà l'assurance. Nous aurons peur de quoi? Nous aurons peur de quoi? C'est lui qui est à nous. Il est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Que c'est lui qui est dans ce monde. Dans ce monde. Les Égyptiens que tu as vus l'année passée, cette année, tu ne les verras plus. 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 Apparemment, tu n'es pas encore d'accord avec moi. Tu ne les verras plus. Tu ne te verras plus cette année. Quel thème est-ce qu'on peut acclamer pour ce thème? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce thème? C'est un thème merveilleux. Et je termine pour dire, comme le psalmiste a dit, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Il va te diriger dans des eaux paisibles. Il va te diriger dans des eaux paisibles. Il va restaurer ton âme. Il va te conduire dans le sentier, dans le sentier de la justice. À cause de son nom, quand tu vas marcher sur une table en face de mes adversaires. Cette année, une table sera dressée, non pas derrière tes adversaires, non pas à côté de tes adversaires. Cette année, la table sera dressée en face de tes adversaires. En face de tes adversaires. En face de tes adversaires. La Bible déclare, oui, oui. Tu dresses, oui. Tu vois d'huile ma tête, tu vois d'huile ma tête, tu vois d'huile ma tête, et ma coupe, pendant que tu fais ça, que ça fasse ça, et ta coupe. Que le débordement financier fasse, que le débordement matériel, que le débordement spirituel
Les débordements relationnels. Les débordements relationnels. Les débordements de matériel. Tu vas déborder. Tu vas déborder. Ce matin, j'ai besoin. Ce matin, j'ai besoin. Ce matin, j'ai besoin. Ce matin, j'ai besoin. Mais la Bible. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, ces derniers temps, je suis en train de l'appeler le Dieu de aussi. Je l'appelle le Dieu de aussi. Parce que la Bible déclare celle-là qu'il a choisi d'avant, il les a aussi appelés. Celle-là qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Celle-là qu'il a glorifié, il les a aussi justifiés. Je dis à quelqu'un, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, il s'appelle le Dieu de aussi. Donner le mariage, il te donnera aussi le travail. Il t'a donné le travail, il te donnera aussi la promotion. Il t'a donné la promotion, il te donnera même les entreprises. Il t'a donné la fiancée, il va te donner même l'argent de la dot. Parce qu'il s'appelle le Dieu et aussi. Amen. 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 Dis à ton voisin. Le Dieu de aussi. Mungu wa tena. Le Dieu de aussi. Mungu wa tena. Le Dieu de aussi. Mungu wa tena. S'il t'a visité, kama likupekua, il va me visiter aussi. Atanipekua tena. S'il t'a élevé, kama likupandisha, il va m'élever aussi. Atanipandisha tena. S'il t'a donné le mariage, kama likupatia ndoa, il me donnera aussi. Atanipatia na mie tena. Un mariage. Ndoa. Ce n'est pas un petit mariage. Aina ndoa ndogo. Un mariage glorieux. Ndoa ya utukufu. Parce que sababu kuku mariage na mariage. Ya mariage et mariage. Kuku mariage na mariage. Ya mariage et mariage. La Bible déclare. Biblia natuambia. La gloire utukufu de la deuxième maison ya nyumba ya pili sera plus grande itapita que celle de la première. Ile ya nyumba ya la kwanza. Gloire qui t'attend. Ile utukufu la gloire qui t'attend. Ile utukufu la gloire qui t'attend. Utukufu ile la gloire qui t'attend. Utukufu ile iko la kuchunga sera plus grande itakuwa munene que celle kupita de la première maison ya nyumba ya kwanza. Place ta confiance en Dieu. Weka matumaini yako mwa Mungu. Place ta confiance en Dieu. Weka matumaini yako mwa Mungu. Place ta confiance en Dieu. Weka matumaini yako mwa Mungu. C'est thème, yo kishina, même quand tu commenceras à vivre des moments difficiles, ataka mo taishi ma wakati ya magumu, souviens-toi de cette parole. Kumbuka hiyo neno. L'Éternel wa milele gardera atanikinga ton départ kwenda kwako et ton arrivée na kufika kwako. Même si le véhicule ataka mama gari tourner à la renverse inenda mukipindo, souviens-toi de cette parole. Kumbuka hiyo neno. Souviens-toi de cette parole. Kumbuka hiyo neno. Dieu Mungu a toujours été derrière sa parole nyuma ya neno lake pour l'accomplir. Juu ya kuyatimiza. Ce qui sort de sa bouche ile natoka kama kinywa kiake, il ne le change pas. Ashibadirike. Parce que la Bible dit, sababu Biblia na je ne changerai pas mon alliance. Shitabadirisha agano yangu. Je ne changerai pas mon alliance. Shitabadirisha kamwe agano yangu. Je ne renierai pas mon alliance. Shitakataa kamwe agano yangu. Je ne changerai pas na shitaibadirisha ce qui est sorti ile ilitoka de ma bouche. La parole est déjà sortie. Neno ishatoka. La parole est déjà sortie. Neno ishatoka. La parole est déjà sortie. Neno ishatoka. Cette parole, iyo neno, sera ita. C'est cette parole, iyo neno, qui va te protéger. Ita kukinga. Je répète encore. Narudirilia. Qu'il pleuve. Kukue mvua. Qu'il neige. Kukue neige. Qu'il fasse froid. Kukue baridi. Qu'il fasse chaud. Kukue vukutu. Qu'il y ait crash. Kukue mama crash. Qu'il n'y ait pas crash. Ishikuako. À cause du fait que sababu tu ya c'est l'Éternel ni ya wa milele qui te garde. Eko la kuchunga. Rien de mauvais hakuna kibaya ne va kita t'arriver. Si kufikia t'arriver. Kukufikia. Je te bénis. Na kubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Mungu que Dieu bénisse ton travail. Mungu abariki kazi yako. Si l'année passée tu as eu à pleurer. Kama mwaka ulipita ulilia. Si l'année passée
kama mwaka ilipita était une année ilikuwa mwaka couverte de propre ya mambo haya cette année hii mwaka sera une année itakuwa mwaka couverte yenye kufinikwa de gloire na utukufu de succès na utukufu de bénédiction na baraka d'élévation na upandishwa dans tous les domaines kwa aina yote de ta vie ya maisha yako à partir de maintenant kwanza hapa jusqu'au 31 décembre mpaka 31 décembre je t'informe que na kwambia kusema parmi les 5 personnes qui vont témoigner katikati ya watu 5 watashuhudia peko jina lako parmi les 5 personnes qui vont témoigner katikati ya bantu 5 watashuhudia peko jina lako d'ailleurs je le déclare parce que Dieu sababu Mungu il est alpha eko alpha et omega na omega c'est-à-dire ni kusema il y a des bénédictions huko mabaraka concernant alpha fatana na alpha il y a également des bénédictions utana na mabaraka ingine concernant omega na fatana na omega tu n'attendra pas seulement utachunga milieu de l'année katikati ya mwaka pour que te bénisse tu akubariki je n'attendra pas Mungu astachunga au milieu de l'année pour que te bénisse tu akubariki Mungu te bénira atakubariki même en janvier ata mu mwezi wa kwanza ta bénédiction arrive baraka en ce mois de février mwaka ya mwezi ya pili baraka itafika mars mwaka ya mwezi wa tatu baraka itafika je te dis na kwambia Dieu Mungu alpha eko alpha omega na omega avant juin bado ya mwezi wa sita avant juin bado ya mwezi wa sita utatemwanye Mungu au-dessus Mungu bénisse akubariki na bariki neno lake acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, cette année 2023, n'ayez pas peur. L'assurance de Dieu est là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Donc cette année, Dieu est avec nous. Dieu dit d'abord, dans tout ce que je vais faire, Dieu est avec moi. Donc le thème...